Salut tout le monde, est-ce que vous allez bien? Bienvenue dans ce nouveau vlog. J'ai les cheveux trempés, je sors de la douche, mais je suis prête à partir et à vous embarquer avec moi dans cette nouvelle journée qui, ma foi, va être fort sympathique. Je vous explique le programme. Ce matin, je vais aux écuries. Je pense que je vais nourrir Highboy et Nomad. Je dois récupérer ma... Pourquoi la caméra l'a décidé, elle tombe. Mais comme ça, on va pas la frustrer, hein. Je dois récupérer ma râpe puisque ce matin, je retrouve Marie, ma copine que vous avez vue dans mes vlogs de concours. Vous l'aimez bien, Marie, elle est rigolote, hein. Moi aussi, je l'aime bien, c'est cool. Du coup, elle va m'aider, en fait, parce que je voudrais terminer d'entretenir les pieds d'Haribo, mais comme vous l'avez vu la dernière fois, c'est galère pour lui prendre l'antérieur gauche. Voilà. Et non, je fais un petit aparté, ce n'est pas la faute du poney qui l'embêtait. Il est comme ça, tout le temps, peu importe l'endroit. Depuis qu'il s'est fait recoudre l'intérieur droit, c'est encore un petit peu douloureux. Il a du mal à reporter tout son poids dessus. Bref, donc Marie va m'aider. Et ensuite, elle va monter son petit cheval. Et on filera, on retournera dans mes écuries pour faire une petite séance avec Highboy. D'ailleurs, j'ai sorti cet ensemble hardcore-là avec mes petites cloches Cosmo qui, comme vous voyez, sont toujours neuves. Mon petit tapis taupe que j'adore. Alors, Scully est en train de faire un truc trop chelou. Oh, je voulais vous montrer, mais elle a arrêté. Et aussi, ce petit manteau hardcore, j'espère que je ne vais pas avoir trop froid. Il est trop bien parce qu'en fait, il est réversible. C'est-à-dire que là, ce matin, je le mets comme ça parce que je vais parer les pieds d'Haribo, donc je risque potentiellement de me salir. Mais quand je monterai Highboy, tadam, je le retournerai pour passer au top. Vous l'aurez compris, ça va avec mon tapis. Bon, allez, c'est parti! Regardez, monsieur fin copain, cet énorme carton, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Vous savez, je vous avais dit qu'Highboy avait pété sa couette là, il s'était encore coincé dans le filet à foin. Du coup, bah, j'ai recommandé une couette, mais pas que. Je me suis également pris un haut hardcore Copinta et un pantalon Jaltica. Je vais essayer de vous les montrer. Oui, bon, je les ai pas déballés, hein. J'ai ouvert le colis hier, donc ça c'est le Copinta, c'est bien ça, hein, Copinta, ouais c'est ça, Copinta, je l'ai pris en bêche, un haut de concours, et le Jaltica vert sapin, mon amour, voilà, je le kiffe. Par contre, il y a d'autres trucs à l'intérieur, mais ça on l'ouvrira tout à l'heure, parce qu'en fait c'est une petite surprise pour Marie, voilà. Marie, ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'elle s'est acheté son cheval. Elle a galéré pendant un an. Elle a fait son premier concours avec moi dimanche dernier. Ça s'est tellement bien passé. J'étais tellement fière, tellement contente pour elle. Parce que vraiment, je vous dis, elle en a chié. Que je lui ai fait un petit cadeau en rapport avec les concours. Bon, je vous le dis, ça reste entre nous. Mais je lui ai pris un mini frac avec un plastron. Mais elle, elle le sait pas encore. Elle découvrira tout à l'heure. Ah, et avant de prendre la route, le deal, oui, parce que ça, c'est très important, c'est qu'elle reparte avec le carton. Parce que j'ai tellement de cartons de chez moi que ça prend tellement de place que même si c'est une toute petite veste de concours, elle part avec le carton. Elle m'en débarrasse. Voilà, je lui fais un cadeau, elle m'en fait un aussi. C'est normal. Ah bah, sa copine, la Zane? Sa copine, c'est pas. Elle est là-bas. Regarde, il est très dur. Puis là, ça va. Par contre, celui-là, il part comme ça. Celui-là, c'est celui que j'ai pas réussi à faire. Et celui là-bas, c'est celui que j'avais fait. Mais ça va. C'est pas non plus une 4 à 4. J'ai pas pris de crème, mais t'as pas trop de bobos. Hein? Ouais, ça va. C'est vrai qu'il a moins de bobos là. Ouais. T'as vu son œil, c'est beau. Hein? J'ai pas, même pas fait attention. Oh! Oh, Nopi! Regarde. Ah ouais! Tu vois plus rien. C'est vrai. Je pensais que, tu vois, même le poil a repoussé, je n'étais même pas sûre que le poil repousse. Moi, je préfère de voir la NES. Bah, tu vas la voir tout à l'heure. Tu vois, ce pied, ça va. Ce pied, ça va. Ce pied, ça va. Mais alors, l'autre. Et je me suis fait pourrir dans les... Voilà, bah, déjà, je vous... Pourrir dans les commentaires. Parce qu'il me disait, mais tu vois pas qu'il se fait embêter par le poney d'à côté? Rien à voir. Bon, moi j'ai pas regardé, j'ai pas. Rien à voir.
et celui-là. Ah, c'est bien. Bon, je pense que c'est un coup de chance, parce qu'il ne voulait pas le donner tout à l'heure. Oui, c'est bien. Bah putain. À la limite, s'il te le donne bien, fais peut-être des pauses comme ça, non. Au moins il voit que c'est bien. Genre, c'est ouais. Pas toi qui lui a... c'est pas lui qui t'arrache le pied, quoi. Très bonne idée. C'est bien. C'est bien, Marie. C'est un beau conseil, ça. Bah, avec Oli, on a galéré avec les pieds, donc. C'est bien. Genre, en fait, on lui prenait et on attendait 10 secondes et hop, on lui lâchait le pied. C'est ce que je faisais avec lui au tout début aussi. Et progressivement, on passait à 15. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et si tu sens qu'il faiblit, que tu vois qu'il commence à te reprendre le pied, non. Tu lui... Oh. Oh. Et repousse. Donc dès que tu sens qu'il faiblit, qu'il commence, tu lui laisses pas le... Le temps de... Non. Et non. Je pense qu'il a quand même du mal à s'appuyer sur l'autre pied. Non, je peux me faire. Arrivo. Oui, c'est bien ça. Bah franchement, je ne m'attendais pas à ça. Je suis très contente. C'est très bien. C'est super ce que tu fais, Arrivo. C'est très très bien. Bravo. Super. Et le maréchal, c'est eux qui le payent ou c'est toi? Non, c'est eux. Mais en même temps, il l'a pas vu. Hein. Je le fais tout le temps depuis qu'il est là. Donc, je pense pas qu'il l'ait vu, en tout cas. Et il latte encore ou pas derrière? Bah, moi, ça fait longtemps qu'il ne l'a pas fait. Mais après, je suis pas toujours là. Donc, je vais être toujours. Mais comme ça. Ouais. Derrière? Aujourd'hui, c'est nickel ce que tu fais. C'est bien, garçon. J'ai chaud. Ouais. Là, tu vois, c'est bien comme ça. Et là, blam. Donc là. Derrière. Pas pratique. Il n'a pas les fourchettes trop pourries, mais ça va. Salut. Bonjour toi. Bien. Super. Je suis fière de toi. Bon, ça c'est très bien. C'est un poney comme on aime les voir. Gentil, Mimi. C'est bien. Par contre, on arrête de faire tomber les cavaliers. Ça, c'est nouveau, ça. Tu vois, hier, il y avait Héloïse, elle me parlait avec Jazz. Elle me disait qu'en ce moment, Jazz, il était un peu foufou. Tu vois. Ouais, bah oui, avec la vidéo. Voilà. Et je lui ai dit, bah c'est marrant, dimanche, moi, et il était un peu foufou. Et la semaine dernière, lui, il s'est mis à être foufou. Je crois que c'est l'année des 6 ans qui veut ça. Les hivers années 6 ans. Didou. Didou. Didou de la Didounette. Et Marie la boulette. Mon Didou. Alors par contre le deal Marie c'est que... Attends, je cherche mon sac à main. Oui, le carton repart dans ta voiture. J'en veux pas. Bon, quoi? Il y a deux trucs. Déjà, je suis sûre, ça c'est la mini frac que tu m'as parlé. Enfin une mini frac. Ouais. En fait, c'est la même que ma Bordeaux, mais je te l'ai pris en noir et rose gold. Un plastron.
T'en avais pas ça. Et comme ça, parce que tu vois, je me disais, ça se trouve, elle va pas bien le prendre parce que bah, c'est un, comme un collier. Elle va bien le prendre, pourquoi? Parce que il me semble que ta veste de concours, tu te l'as achetée il y a pas longtemps, mais je me dis que si elle part sur plusieurs jours, au moins elle en aura deux. Oui. Ah, t'as, trop quoi. T'as réussi? Ah putain. Mais tu t'es trompé de bouton? Non? Non, je sais pas. Non, c'est ah oui, non. Il y a l'impression de déjà vu, hein. Dans mon vlog de concours, j'ai passé une demi-heure à mettre les boutons à l'envers et là on galère avec Marie pour la même chose. Mais en même temps, on n'a pas été éduqués à mettre des boutons à l'envers. Voilà, c'est ça. Vas-y, femme. Mais... oh putain, mais c'est d'une galère. Vas-y, on s'en fout. Ah, c'est facile comme bah, ça. Bah oui, hein. À l'endroit, forcément. Par contre, t'as un pantalon haut. Taille haute. Ouais. Oui, je crois qu'il est taille haute. Tu colles. Du coup, tu lui es mon miroir. Ah ouais, c'est quand même autre chose en fait. Hein. C'est autre chose en fait des vestes de concours de CSO. Hein. Bah oui. Coucou. Marie a eu la flemme de monter son cheval. Donc ça, c'est cool parce que du coup, on gagne du temps. On va aller manger un McDo. Hein, ça va faire du bien, un petit ouais. McDo. On va se avouer que je foute mes chaussures alors qu'elles sont dégueulasses. Derrière. Et après, on me les cloche, elles sont propres. Mais elles sont neuves. On n'a pas longtemps à en être sales. Elles sont neuves. Ouais, tout son bordel là. On va aller chercher le cadeau d'anniversaire de Jean parce qu'à l'heure où je filme la vidéo, demain c'est l'anniversaire de Jean. Et on dit joyeux anniversaire, Jeannette. Ouais, dans les commentaires. Un petit joyeux anniversaire, Jeannette. 35 ans, le gars. 35 ans. Putain, il est bientôt l'artiste de la mort. Nos pieds, regarde-moi ça là. Marie est partie faire la connaissance de Hula. Et nous, on va faire un petit passage, hein. C'est qu'elle avait envie. Ah ouais, parce qu'habituellement, il me dit merde. Bon, allez, tu sautes. Et on va s'y remettre. Et regarde, tu vois, le filet à fond. Et il voit, il s'est coincé la couverture dedans, il l'a ramené là-bas. Oh la vache. Et pourtant, il était accroché. Ouais. Et bah, il a arraché le bout de bois auquel il était accroché. C'est chiant quand tu prends un nouveau manteau, t'as pas de mouchoir dans les poches. Moi j'ai toujours des mouchoirs dans les poches. Voilà. Là, il est dans ses traces. Hein. Il est bien là, il a l'air stable. Hein. En tout cas, il a l'air d'engager là. Thank you.
Ça coûte combien une caméra comme ça? Je crois qu'elle était à 800€. 800 bonnes. T'es si cher. Il a l'air, hein. Il a l'air d'être stable en tout cas. Bah c'est une journée de la top, hein, entre Haribo, Hey Boy, il aurait fallu qu'elle le monte aujourd'hui, Jazz, hein. Même au galop, il a l'air qu'à danser. Enfin, il avance là, hein. Mais il reste en fait bien rond. Là, il donne envie, honnêtement. Ah bah, il a l'air cool. Moi si je serais toi, j'arrêterais là-dessus après, hein. Putain, là, wow. C'est ce qui t'a fait au concours tout le temps? Oui. Voilà. Putain, il est relou à faire ça. Il engage bien là. M'a dit qu'il est un peu solo là, non, depuis qu'il y a la NES. Il va pas me taper, moi. Non. Ah non, il tape pas les... Il tape que les poules.
Sauf si tu lui fais mal là où il a sa patte, bah c'est celle-là d'ailleurs. T'as vu, Noupi, t'as deux filles pour toi. Hein. Si ça, c'est pas un roi, il mange et pendant ce temps, on fait les papouilles. T'as pas une brosse dure? Ben c'est moi qui l'ai. Tu m'as vu? Ouais, je l'aurais fait. Je vais te dégager. Ah oui. Bah, attends, faut que je change du coup de. Attends, Eva Lola m'a prêté des guêtres samedi. C'est, du coup, c'est comme avec tout le monde tout de suite, sauf que j'étais en mode. J'ai pas mes affaires. Bah, c'est dans le camion, donc faut que tu viennes m'aider, quoi. Elle m'a dit, bah, Farah, tu prends mes affaires, tu vois. Ouais. Sauf que, en fait, elle avait pas de guêtres et je dis, oui, non, et moi, Dalisco, il se tape. Eva, elle arrive au même moment. Eva, t'as des guêtres? Oui, tiens. Sauf que, enfin, c'était pas très grave, tu vois, on s'en fout de la taille. Moi, c'était pas pour maintenir un tendon, c'était juste pour protéger les boulets. Autant dire que Dalisco fait du XL, j'avais du M. Donc c'était déjà ridicule. Ah, il met du M, Kéva? Non, du M. Eh ben oui, du M, c'est ce que je dis. Ah oui. Et donc c'était ridicule. Et en plus, comme il a été con, on a été le faire dans le rond de l'eau. Je l'ai trempé là, comme la carrière. Oh. Ah bah, c'est gâte, il s'est ruiné. Et j'ai dit à Eva Lola, je dis, mais le problème, c'est que j'étais avec elle. Je fais quoi? Je les douche ou pas? Le problème, c'est que si elles veulent monter et qu'elles sont mouillées, bah c'est pas. Bah ouf, ouais, quoi. C'est pas cool. Donc, pendant que Aka a préparé Momo en plus d'être en retard. Je suis calme quoi? Je cherche mon cure-pied alors je l'avais dans la main depuis tout à l'heure. J'ai nettoyé. Franchement, Aka m'a dit non, mais je sais pas comment t'avais pour les ravoir comme ça. Et après, j'ai été voir comment ça s'appelle. Et bah, pour lui dire est-ce que tu veux que je les passe à la douche ou pas? Elle m'a dit non. Elle m'a dit non, mais c'est des guêtres de travail. Pour tous les jours, elle m'a dit je m'en fous un peu quoi. Par contre, le sable orange à colle. Marie, j'ai fait une bêtise. Alors, sans me casser mon pantalon, est-ce que tu peux retirer la fermeture? Je suis coincée dans mon pantalon. C'est mon pantalon qui est coincé. Tu sais que j'ai. J'allais dire, tu sais que j'ai peur de te confier ce genre de mission. Ben voilà, ça va louper. Mais Marie! Elle a cassé la fermeture. Bon, j'ai envie de dire, il y a que ceux qui font rien à qui ça n'arrive pas, hein, mais. Putain! Ouais, putain, ça me saoule. Oh putain, je vais le trouver. Hein. Oh putain, ça y est. Oh. Bon, c'est réparable, tu crois, ce truc-là? Fait chier, ça donnait, j'allais dire, du goût, du style oh. À ma botte. Ah si, je pense que je vais pouvoir la réparer. Merci. De rien. Enfin, à moitié, merci. Jure, tu préfères le « mère » ou le « si » vu que t'as que la moitié dans « merci ». Le « si ». Le « si », d'accord. Bon, le poney, c'est fini. J'ai encore Marie avec moi. On va aller chercher le cadeau de Jeannette. Je vais vous le montrer. De toute façon, je peux. Hein. C'est son anniversaire demain, donc il l'aura eu demain. Et vous voyez la vidéo dans une semaine. Vous le verrez samedi d'après. Voilà. Je vais vous montrer ça. Qu'est-ce qu'elle a fait encore? Au secours. Ça nous fait. Et là, qui cette copine? Pas moi. Bon, c'est pas le meilleur angle vu que je vous ai fait, hein. Voilà. Mais ça va être pratique de vous poser là. Mon mari, elle est partie chercher des clopes. Moi, je fume pas, je m'en fous. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer le petit t-shirt de Jeannette. Ah, vous le voyez peut-être à l'envers, vous. Enfin, je sais pas. Moi, en tout cas, en retour écran, je l'ai à l'envers. Peut-être qu'il sera pas à l'envers. Au montage. Et une doudoune sans manches. Voilà. Il va être trop content. Il va être trop content. Et moi aussi, je suis trop contente. C'est une surprise, il le sait pas. Il le sait pas du tout. Ciao, bye bye. T'as dit bye bye ou bye bye là? Bye bye, ouais, je crois. Bien. Sur ce, je m'en vais. Je garde ton sac à main du coup? Non. Bah alors. Non, mais j'ai acheté des trucs dedans. Bah oui. J'ai ramené Marie aux écuries avec sa petite voiture qui est juste là.
Voilà, bon. Il est pas comme ça comme voiture, hein. Je suis un bizarre, parce que celle-ci elle est remplie de bordel pour le frigo. Hein. on ne dira pas exactement ce qui s'est passé. Hein. La meuf, hein, on ne dira pas exactement pourquoi est-ce que tu as baladé un salon de jardin dans ta voiture. Ouais, là... bon. Marie. Ouais, salut. Merci beaucoup pour le cadeau. Oh bah de rien. Et puis bah plus tard. Ouais. Bon allez, bisous. Ouais. Nous on fait notre petite discussion avec vous, ça va? Vous avez pris part à la discussion, vous voulez un thé, un café, on se pose, un petit gâteau? Bon allez les gars, moi je vais vous abandonner ici, je vais aller chercher Lana, il est moins 6, je suis dans les temps, parfait, elle va bientôt sortir de l'école. J'espère que cette vidéo vous aura plu, merci beaucoup Marie de m'avoir aidée. Au final Haribo, bah nickel, je suis contente, il a pas bougé, la couverture est intacte, les bobos, il y en a pas, super. C'est trop bien. Hey boy, il était génial. Nono, il s'occupe toujours de son ânesse. Tout va bien. Et bah, les petites journées comme ça, moi je dis, j'en veux tous les jours. Voilà, bon. Je vous fais à tous de très gros bisous. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Et prenez soin de vos chevaux. Bon, je vous abandonne parce que je crois qu'elle veut passer, je la gêne. Je suis en plein milieu de la route. Salut.